بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout grand Dieu pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous voyons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de sa famille et ainsi que de sa sahaba. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À partir de la semaine qui vient, lundi, inshallah, nous vous posons questions. Comme d'habitude, je veux dire une quiz, je veux dire deux questions nous vous poser semaine prochaine, je veux dire causerie qui nous peut faire aujourd'hui, leçon qui nous peut faire aujourd'hui, et inshallah pour cette semaine prochaine aussi pour une PowerPoint. Alors aujourd'hui un hadith très très important. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, ana za'im baytin fi rabd al jannah لمن ترك المراء ولو كان محقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم peut dire, moi, mon garant, comme si mon représentant, ban la maison, dans, ban plus haute place dans paradis, ban place plus spéciale dans paradis. رسول الله صلى الله عليه وسلم, زعيم, comme on dit, les mêmes représentants, les mêmes le garant, les mêmes garanties. Ou ban la case qui est dans le paradis. Avant de continuer, nous gissons la première bout là. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lit, veut dire le garant, les représentants ça ban la case. Dans ça, hadith qui nous comprend, valia Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce valia auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala une de l'une qui a été valée, et aussi qui quantité qui lit jusqu'à même dans le paradis dit pour qu'on soutenir nous, qui veut dire qui jusqu'à dans le paradis dit pour représente nous concernant ben, la case du paradis valée Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que ben ulama dit ashraful khalq, meilleure créature qui Allah subhanahu wa ta'ala fin créé, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Meilleur insan et meilleure créature, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'ipédia, l'ipou, représente sa ban la case, l'ipou garantit nous ban la case, dans ban haute place dans le paradis. Beaucoup du monde, peut-être dans film, dans photo, quand je ferme, je disais, je pense paradis. Dans chrétien, quand je pense paradis, une photo Adam et Ève, ou pour trouver autre, mais comment dire, une la forêt. Paradis veut dire c'est une la forêt, un jardin. Est-ce que dans l'islam, paradis vraiment une la forêt, un jardin? Il est important pour nous comprendre ça, parce que le Coran dit thème principal c'est paradis et l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala fait un détail l'enfer et fait un détail paradis. Ça va, un détail là, il est très important. Si Allah subhanahu wa ta'ala partit détail l'enfer, comment nous pouvons payer l'enfer? Nous ne pouvons pas payer l'enfer. Nous pouvons payer l'isis, comment dire, artificiellement. Mais là, nous connaissons qu'il y en a dans l'enfer. Qui punition il y en a dans l'enfer? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raconte nous beaucoup de détails concernant la punition de l'enfer. Qui a été souffrant au sein de l'enfer? Qui a été salé, sodifié, etc.
Pareil comme ça même de Jannat. Si Jannou Jannat, si comme un chrétien, Jannou Jannat, c'est en la forêt. Mais moi, je ne suis pas content, pied moi. Je ne suis pas content la forêt, moi. Est-ce que Jannat, c'est pas tiré, moi? Jannat, pas tiré, moi, je ne suis pas content la forêt. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait décrire paradis d'une façon extraordinaire. Qui tout le monde a un désir, a l'envie. Tout le monde est content de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause, tout quelque chose qu'un monde est capable de content. Ça que le monde est content de faire. Il y a content la nature. Allah fait explique paradis, fait picture d'une façon, comment on va dire, fait décrire d'une façon veille. Pour qui c'est ça du monde qui compte la nature, les attirer avec sa place. Vous connaissez comme du monde à la montagne, à la forêt. Pas qu'on est juste à faire dans la forêt. Parce qu'il n'est pas content. Lui, sa passion, ça, il reste dans la forêt. Il reste pas en mi-pied, il est là-haut. Mais il y a du monde, ce droit, ça, non? Ce l'envie, ça. Et il y a du monde, il est content, madame, monsieur. Non, monsieur, ce problème, c'est madame. Moi, je suis un homme. Dans le paradis. Pied? Fille? Madame? Qui peut être madame? Qui peut être madame? Bisous? L'eau? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause l'eau, fait une cause ban batana, fait une cause la scène. Pour qui ban djimoun qui content, comme ban madame, vous êtes content habillé? Min asawira min dhahabin wa fidda. Quand il y a la chaîne, ban linge en broderie, brocade. Alors donc, pour qui ban djimoun qui est content, qui ça, qui chose là, c'est ça qui tout sur leurs yeux dépensé avec bague, bracelet, batana. Alors donc, de paradis, il y a ça. Et un djimoun qui est content, bâtiment, content de la case, content ban gratte-ciel, content ban affaire, je veux dire, comment on dit ça, ban buildings. Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant bâtiment. Ça veut dire, tout quelque chose que vous pensez, qui est capable d'attirer ou et non. Et n'a dit, moi, n'est pas content ni bâtiment, ce problème pas madame, ce problème pas la forêt. Mais un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a assisé avec ce ban sahaba, puis raconte concernant paradis, un monsieur lève la main, un bédouin. Tout le monde a raconté qui était madame pour Ena. Madame là, qui a été, ya Rasulallah, qui a été solisier, qui a été secoué, l'autre là, qui a commencé leurs ans, qui a été ça, qui grandit à la case, ne se l'a dit. Comment dire, hésiter, ne se l'a mis, d'une façon parler. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit oui. Il dit, mon bouquin piocé, tout le monde commence à rire. Peut-être si nous, ce cas, devient calotte sur la tête tout. Qui nous peut causer paradis, bâtiment, l'eau, avion, qui peut causer, qui peut causer, il vient en pioce. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un guerrier. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un guerrier. Il dit, oui, tu vous piocez. Qui nous comprend là-dedans? Wa lakum fiha ma tashtahihi l'anfus. Dans paradis, vous connaissez, il y a wants avec needs. Dans quand qui fait l'école, qui fait économiste, vous connaissez wants avec needs. Wants ou l'envie, peine à limite ça. Ou l'envie, peine à limite. Et surtout, si vous avez envie, pas avec l'esprit, vous avez envie quelque passion, il y a limite ça. Puis la limite, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner une garantie qui où l'envie, paradis dépasse où l'envie. Où l'envie, pas pour capable atteindre quelque chose qui est capable et n'a de paradis. Tout ça qui où envie, pas représente non ça qui n'a de paradis. Tout. Alors, c'est pour ça qu'il nous disait, l'important de ça, l'époque qui nous peut vivre, pour qui nous revoir qui veut dire paradis. Pour qu'il ça de nous un courage, pour nous rester dans l'obéissance. Quitte ça, quitte chose qui est imparfait là, qui est une faille, l'odounia, pour te gagner ça qui est parfait là-bas. Quitte ça, madame, sa zina là, pour te gagner ça qui est meilleur là-bas.
Quitte sa richesse qui te peut rattraper pour si mes mal, si mes travers, pour te gagner ça qui m'est là-bas. Dans toute chose, et naso perfection de paradis dans tout domaine que vous pensez. Qui veut dire paradis, il n'est pas seulement la forêt. Pareil, comment on peut vivre le dunya. Parfois, on fait mon lycée, on peut dire, qui était ce paradis-là? Paradis-là, c'était une la case, ça? Une place fermée, ça? Qui était ça? Comment dunya? Comment on peut marcher la terre là? Quand on est là-haut, on trouve le ciel, quand on est partout, comme ça, même paradis. Mais seulement, ici-là, c'est une la poussière vis-à-vis paradis. Arduha, as-samawat wal-ard. Nous avons une planète qui appelle la terre. Nous pouvons marcher, nous avons un chemin, nous avons un bâtiment, nous avons des gens, nous avons un bazar, nous avons un magasin, nous avons la forêt, nous avons la mer, nous avons la rivière, nous avons des oiseaux. Mais c'est même qu'il y a le paradis. Même chose, mais de la perfection. Dans le paradis, il y a la mer. Quatre la mer. Et dans la rivière. Et dans la source. Dans le Coran, à lire, vous trouvez. Dans le paradis, il y a montagne. Pas une montagne du paradis. Uhud. Montagne Uhud. C'est une montagne que Rasulullah s'en dit. Uhud fil Jannah. C'est une montagne du paradis. Et dans le jardin. Et dans la forêt. Et dans le chemin. Pas cool, toi, c'est moi. Pas de cailloux rousses. Là-bas, là, ban bout de l'eau. Ban pierre précieuse, l'eau cimée. Pas la terre, zafran. Soleil, zafran. Alors, ça, c'est pas grave. Bâtiment. Un bâtiment contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un NPL. Bâtiment-là, il est sculpté des NPL. Ça, PL-là, il est 80 000 hauteur. Nous, c'est 500 pieds, 1100 pieds, dans Dubaï, 80 000 hauteur NPL. Ou PL de l'Odunia qui grossit. C'est un petit poids. Là-bas, là, NPL, 80 000 hauteur. Ça veut dire que si vous faites un musée, get sa paradis là. Magasin, oui, il y a un magasin de paradis. IPM aussi, non? Hadith muslim. Quand les gens ne parlent pas joindre dans IPM aussi, ils ne parlent pas faire achat, mais c'est ma gratis. Alors, ça est très important pour nos familles, pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent la religion comme si elle nous a fait mystique, nous a fait dans. Comment dire, une affaire, pas vrai ça, histoire, un qui saute dans l'esprit, non, physique ça réel, réel. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finalement fin trouve la case château de Omar ibn Khattab radiallahu an, fin trouve ce habitant à l'intérieur, il a rideau, il a tout ça qui vous pensez le dunya, mais seulement d'une façon extraordinaire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit t'y place ou la case comme elle toise, hein. Ou la cour comme étoise. 50 toises, 100 toises, 200 toises. Combien est la grandeur la cour capable? 200 toises. 200 toises, c'est grandeur ça. On dit ça, ma zid là. Après. Et na, dans mon pays, il y a grand, pas arpent, 10 arpent, 11 arpent. Mais plus petite place, plus petite portion de paradis qui grandit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dernier 10 monde qui pourront être dans paradis. Combien de milliards de monde pourront être dans le paradis? Il y a des djinns avec des insans. Pas seulement des insans dans le paradis. Pour des djinns aussi dans le paradis. Et pour les autres créatures dans le paradis. Pour les hours. Il y a beaucoup de créatures dans le paradis. Mais qui grandit ce paradis-là pour qu'il y ait plus de petites places quand ça dit que final visite ça? Fin de donner une mission pour le visiter. Il n'est pas encore rentré dans le paradis. Il finit par se prendre l'état de l'enfer. Quand il a le paradis, il a le visité. Comprends-le comme ça. On sort d'une prison, il prend, on met tout l'eau, montagne, on est allé, si on a montagne signaux. Quand on monte en montagne signaux, qui grandit, on trouve ça? Ça pour lui là, grand. On est de gauche à droite, on tourne, 360 degrés, on trouve. Quand on les y aller, on trouve la terre partout. À ce si on a l'avion, avant qu'il voyage. Quand on regarde à l'horizon, qui a été immense? Imagine ça, ça dit monde qui a le visite,
Jannat. Qui grandit, elle ne trouve ça paradis. Et pas oublier paradis qui grandit. Prends sept les ciels, sa dunya qui nous était, ça, l'univers qui nous était là, ça haine ça. Ça haine là, pena aucun ordinateur aujourd'hui qui est capable de calculer ce so grandir. Pena. Je estime les à 60 milliards l'année lumière. Si on fait calcul ou calculatrice pour briller, pour mettre erreur. Paradis, il sept fois plus qui ça encore. Plus grand qui ça encore. Quand ça dit mon final, il a le visité, ça veut dire qu'il trouve plus immense qui nous capable de trouver l'Odunia. Plus loin tout. Quand il sorti, il peut expliquer, il peut dire Allah, mon trouve ça extra. Allah subhanahu wa ta'ala dit retourne à Stéa. Et n'a te place là-bas 10 fois ça qui te trouvé. 10 fois dunia. Plus petit, comme on dit, ça la terre qui nous peut vivre là, 10 comme ça pour ça dernier là. Ça la terre qui pas aux 50 toises, non. Pas aux 100 toises qui nous peut la guerre frère là, non. Pas 100 toises qui nous peut la guerre, une satellite frère, c'est pas ça 100 toises là, ça. La terre, 10 comme ça. À l'imaginer qui grandit sa paradis. Ça veut dire, tout ça qui vous pouvez vivre au dunya, vous pouvez vivre pareil, mais c'est mal dans la perfection, mais c'est mal dans le pli grandiose dans le paradis. Alors donc, il y a la case. Pour cette raison qui, beaucoup de monde, je ne veux pas faire sunna. Je ne veux pas faire sunna. Fara ça, non, sunna ça. Gain PC, non, pas gain PC. Mais c'est mal, je paye dedans. Bien sûr que nous perdons, si nous n'avons pas sunna. Qui fait? Parce qu'ils ont dit, frère, si vous avez, par exemple, comment dire, les rois, est un grand pays. Si vous avez un seul château dans la ville, mais vous pourrez cela, quand vous pourrez aller, vous pourrez juste visiter, ou pourrez bouger. Pour nous, c'est une vaste la plaine, un seul château. Mais si on les rois qui dans chaque l'endroit, chaque la ville où on a au château, ça veut dire au cas par respect tout, pas juste visiter. Mais ou imaginez on gagne 10 fois grandeur dunia ou dans seul château, comment vous faire? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut donner l'opportunité par la grâce d'Allah, peut montrer où comment on remplit. Inshallah dans la jannah. Inch'Allah, par nos bonnes actions, par Allah sur Raham, par Allah sur pitié, l'eau, nous. Mais seulement, il n'est pas pour, bon pour nous-mêmes qui, si nous rentrons dans le paradis, nous n'avons des châteaux, 3 châteaux. Parce qu'imagine cette dunia-là qui grandit 10 fois. Qui nous besoin faire? Nous besoin dans toute place et d'un château pour nous. Quand nous pouvons sortir avec nos familles, nous pouvons quitter le château X, nous pouvons le château Y, nous pouvons dans nos domaines. Paris, Maurice, vous parlez l'Angleterre, dans la case là-bas. Vous sautez dans tel pays, dans la case là-bas. C'est ça le vrai roi. Parce qu'il vous prend les rois d'un paradis. Alors donc, sa douce sunna au quotidien, chaque douce sunna, chaque jour, vous rentrez la case pour d'un paradis. 365 la case. Je vous dis, mais comment faire ça? Mais tu domaines pour trop grand pour vous être sur la case là. Tu vis 50 ans, là aussi, pas pour assez, mais combien de milliards la case dans la terre? Ça, en la terre. 10 comme ça, existe pour toi. Pour bien partout dans la case. Pour toi. Alors, comment nous faisons ça? À travers sa douce sunna. Mais aussi, ce hadith, ça peut montrer une autre façon pour nous gagner. Bien sûr, la case. Et dans la case dans la campagne. Et dans la case dans Manfobou. Et dans la case dans Wattcat. Ça ne valait pas pareil. La case, c'est la case, mais ça ne valait pas pareil. Milieu, là, pas pareil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, me garantis en la case dans plus haute place du paradis. Place plus spéciale, plus chère, plus en avalée. Qui nous besoin faire? Qui nous besoin faire pour nous gagner ça? Nous besoin diviser nous la paix la moitié, nous donne fils Abidillah la moitié? Ou bien nous besoin tous les jours gâter ça? Ou bien tous les jours nous besoin lire 10 si par la Coran? Ou bien nous besoin faire 1000 tasbih grand matin, 1000 tasbih tantôt? Ou bien nous devons faire 8 rakat pendant 17 ans dans la nuit pour nous gagner. En la case, dans plus haute place
place spéciale du paradis. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit? أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. C'est lui qui arrête de discuter. Et n'est-ce faux ça? Non, il va faire. Juste ferme la bouche là. من صمت نجا رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est lui qui garde silence et fait victoire. Et une de ce moment de victoire, quand il pas discuter, le prophète صلى الله عليه وسلم pour donner garantie. Pour repoulir une place dans la meilleure place de paradis, en la case, dans la meilleure place paradis, pour lui. Quand il n'a pas discuté, mais il n'a dit qu'il était discuté, pas vrai? Un ou la vérité, un ou peut discuter de fausseté. Laquelle discussion ça? Laquelle discussion? Tous les deux, pas discuté. Pas discuté. Pas discuté, surtout concernant Dine. Et même Dounia, Rodin a l'autre solution, mais pas discuter. Parce que discuter amène ce problème, ça. Pas une solution, ça. On nous a trouvé, qui débat terminé dans bon façon. On nous a trouvé qui débat sorti, nous trouvons une frère. On nous a trouvé que ça, des alim critiques de camarades, de sortis, de une frère en islam. On nous a trouvé ça où? Rasulullah sallam qui a raison. Liman taraka al-mira'a wa law kana muhiqqan. Même s'il est la vérité, il n'a pas discuté. Puis on peut dire, imam, nous pas besoin qu'au shirk, nous pas besoin qu'au ça, nous pas besoin qu'au ça, nous pas besoin montrer halal, haram. Nous là qui s'en a ça. Nous là qui s'en a. Tout le monde qui n'a pas connu le courant tout, nous. Nous, là, c'est ban ulama. Ban ulama discuter. Ban ulama écrire. Je amène la vérité. Je dénonce fausseté. Mais les mènes, pas rentre dans sa joie là, toi. Pas discuter avec ton frère, toi. Tu trouves un erreur de ton frère, fais un monde qui connaît Kozali. Pas discuter, pas faire débat devant Mazid. Pas faire débat dans le coin simé. Pas la guerre avec ton frère dans la case. Pas le discuter avec ton voisin. Pas le créer problème de ton ménage. Pas le discuter avec ton beau-père din. Apporte grâce de la famille, tu vas faire non. Laisse débat, laisse discussion pour Benjamin qui est spécialiste dans din. Et ça aussi, d'une façon qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de montrer nous. Mais en général, reste tranquille. N'a pas discuté. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez combien de fois il ferme sur la bouche, il n'y a pas de causer. Parfois, si tu causes, tu es capable d'avoir un problème. Tu es capable d'avoir beaucoup de difficultés. Beaucoup de fois, Rasulullah sallam garde silence. Un juif rentré, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un juif rentré, côté, il dit assalamu alayk. L'amour l'autre, assalam salam. Si vous ne portez pas attention, vous ne pouvez pas faire la différence. Assalamu alayk, assalamu alayk. Pareil. Soit qu'Allah fin fait l'iconé, soit qu'il fin tan bien, quand Zuif l'en rentre, il dit l'amour l'eau, toi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit wa alayk, le toi ici. Ça veut dire si tu dis salam, le toi ici. Mais si tu dis l'amour, le toi ici. Aisha radiallahu anha qui fait. Comment se discuter? Aisha radiallahu anha, comment se discuter? L'amour l'eau, toi-même, les enfants pauvres, les enfants cossons. Les enfants Zako, les enfants Kosson. Parce qu'il y a un juif de cette famille, Allah subhanahu wa ta'ala, fait ja'ala minhumu al-qiradata wal-khanazir. Allah s'y transforme un juif en Zako et Pok. Alors Aisha radiallahu anha, intelligente, malin, condine. Mais seulement, il discutait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas faire comme ça, Aisha. Pas comme ça qu'il nous fait. Pas discuter. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous un adab. C'est à l'époque qui nous peut vivre. Nous, musulmans, prenons ban du monde qui a la connaissance, mettez de côté. Faudrait pas que le nom, moi, mon content tel bail, ou bien le content tel bail, le content tel bail, nous vienne représentant sa ban bail là, nous laguer en bas nous. Pas faire ça. Pas faire ça. Surtout, nous peut vivre dans un pays, nous bien tigit. Nous bien diviser à la base même,
aqida divisée. Mais si nous pas qu'on vive ensemble, nous pas qu'on garde nous la force ensemble, nous commençons à discuter, alors ce n'est pas notre travail ça discuter. C'est la même qui nous trouve aujourd'hui, frère, dans une ménage, dans une famille. Et puis sa garçon rentre dans la case là, il y a une casse relation CSR. Comment? Il a discuté. Il y a une casse relation frère CSR. Il y a une casse relation maman tifi. Parce que il y a une discuté, il discute l'eau, qui grossier, qui quantité, il y a couvert figure. Il discute qui quantité, qui coulait linge, il y a mis, qui coulait djilbab, il y a mis. Sobe le CM est rouge, il y a mis noir. La gaine levée, DCN arrête de causer. Combien il y en a comme ça? Alors ça c'est conseil nous Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toi frère musulman, remplis ton mission sur la terre. Fais ton ibadat. Rapproche-toi avec Allah. Remplis ton place dans le paradis. Remplis ton place dans le paradis. Range-toi la case dans le paradis. Rapproche-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Garde silence. N'a pas créé l'ennemité. Ça c'est ton devoir. Laisse discussion pour les restes. Même dans la dunya aussi, ce n'est pas notre première option à discuter. Même dans le commerce, pas faire ça avec notre première option. Retourne les autres moyens avant. Avant qu'ils nous servent nous la bouche, retourne les autres moyens qui nous capables, veut dire, résoudre nos bannes différents. Retourne les autres moyens. N'a pas discuté. Et n'a causé et n'a discuté. Et n'a la guerre. Et n'a maltraité. Il y a plusieurs qualités causées, ça. Il y a causé en bonne façon. Il y a discuté. Il y a maltraité. Il y a zouré. Rodman, solution, plus meilleure. Comment on gagne différent avec mon voisin. Rodman, l'autre alternatif. Dernier, le pena, il y a nous causer. Mais c'est pas nous pas discuter. Faudrait nous arrêter sa mentalité parce qu'il y a un prix à gagner là-dedans. Il y a un cadeau qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut dire à nous, il peut plaider pour nous au Qiyamah. C'est en la case d'emplir haute place du paradis quand nous arrêtons de discuter. Voilà au cana muhikkan, même si nous, veut dire, nous l'avons la vérité. Parce que parfois, il y a un moment, il y a un lien, que même si nous l'avons la vérité, causer là, il n'y a pas sans nonier. Par exemple, un djimon, ou capable de la vérité, moi, je la vérité, moi. Oui, tu es capable de la vérité, tu es capable, il y a raison. De ton travail, tu es capable d'avoir raison de ton ménage, madame là capable d'avoir tort, tu es capable d'avoir raison, mais seulement dans certains moments, la vérité là, il n'est pas prof, sans rien si tu causes lui d'un moment qui n'est pas besoin. Par exemple, une madame il a un problème avec son monsieur, il a un bâté, il peut sauter dans la case. Une madame, il saute sur la case, il a besoin de mettre son djilbab. Il y a un bâté que ce monsieur peut sauter sur la case. Mais je me dis, c'est vrai, pas vrai. Qui est-ce qu'il y a? Il y a un haram, ça. Ou pas mettre le bâté là? Ou parole pour une valier là? Il peut écouter là? Tu es capable de causer une cause qui a fait à l'encolée. Parce qu'il fait. Parce qu'il a, il n'est pas dans l'état pour capable de comprendre là. Il n'est pas dans l'état pour comprendre. Alors, ou bien on peut mettre saf. Ou dans saf, imam dit, c'est où, dresse saf. Dresse saf. Ou peut coster qu'un bail. Ou d'après où, sunna, c'est coller les pieds contre les pieds. On apprend lui comme ça, c'est sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bail là, pas apprendre lui. On coste ou les pieds, il tient sur les pieds. On connaît bail, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, tara sou coste. Excusez-moi, c'est m'avancer là. Qui est priorité là? Soit là, peut débouter là-bas. Il vous dit, qui vous connaît où? Qui vous suivez? La guerre pour lever là. Pourtant, on a la vérité là-haut. Pourtant, on est capable de la vérité là. Mais ce n'est pas le moment. Pas le moment pour dire ça là. Pareil comme ça même. Un djimon, dans. Par exemple, une madame, dans les salat, les maghrib y aller, ou bien le monsieur. Les maghrib peut aller, il peut aller télévision et il peut faire l'autre PC encore. Il peut faire décaïté PC. Alors, dans ce lieu-là, il peut encore faire salat.
Ouais, il peut encore faire salat, après il peut faire une action pas bon. Nous, en tant que musulmans, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être qui plie pour autant pour nous là. Est-ce qu'il nous corrige, par exemple, il peut pas mettre son hijab ou son djilbab devant son beau-frère, mais seulement il peut encore faire salat. Dans qui me corrige là? Me corrige de son djilbab ou bien me dire, c'est la salat, les 5 minutes pour finir maghrib. Dans qui me corrige là? Me corrige. Bah, c'est devant vos frères, vous avez couvert la tête, ou bien c'est 5 minutes maghrib, là, laquelle vous avez dit là. Vous avez dit salat, parce que salat est important. Ça veut dire, voilà, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit nous, n'a pas discuté. Éloigne ou de discussion. En retour pour gagner, sa cadeau avec Allah subhanahu wa ta'ala, en la case humiliée paradis. En la case qui est très en valeur, qui se valeur, peine à se comparaison le dunya. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un pouce, maud'u shawtin, un bâton qui servait pour cheval, pour chameau, comme une cravasse. Qui grossier était? Un pouce? Un pouce, sa longueur là, 50 cm, un pouce. Ce valet, ou vend dunya avec tout ce diamant, avec tout ce lot, avec tout ce richesse, ou pas pour capable acheter sa bout là? Pourquoi acheter sa bout là? Si tant il y en a valet. Alors donc, ça c'est une chose qui est très importante, frère, la fraternité. Ana za'im baytin fi bara fi rabd al-janna, mo garantizot en la case dans milieu paradis, dans plus haute place paradis, liman taraka al-mira'a, c'est lui qui quitte discussion walau kana muhiqqan, même si il est la vérité. Wa dhakkir in nafa'ati dhikra. Fais rappel, si rappel profite-toi. Si mo connais mo pour causer là, même en bonne façon, il n'est pas pour écouter moi. Pas causer. Pas causer. Ça même est rien, monsieur et madame, faire. Je te cause quand pas besoin de faire comprendre. Dans l'air qui n'a pas besoin de faire comprendre, je finis par la guerre. Calotte. Madame là peut discuter, monsieur là peut discuter. Monsieur là peut faire comprendre, madame là, une peut nerver. Ou bien l'inverse. Madame là peut faire comprendre, monsieur là peut rester nerver. Ou continuer à causer, qui peut arriver là. Pour ne pas battre. Pas causer. Reste tranquille. Wadakir in nafa'ati dhikra. Fais rappel, si rappel, ou connaît les pour écouter, ou connaît les pour réfléchir aux paroles. Si vous connaît quand pour causer, les pour exciter, pas causer. Pas causer. Ça, c'est l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parfois, un bédouin vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il te rappelait pour ce poignet, ce linge. Sakouili dit moi les jannat qui m'a besoin faire jusqu'à qui se likou fin gagne 10 ans cahier qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une rioli c'est tout dis une rioli pan jali tu ne blesse moi qui fait parce qu'il là n'est pas le moment pour le montrer parce que ben sahaba c'est capable tout ça monsieur là si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit tu ne fais rien du mal là voilà tout il dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sase et puis tu gardes silence pour veut dire protéger sa dimon. Ça veut dire nous la langue est une chose très importante pour nous contrôler. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui donne moi garantie pour ce la langue et pour ce sexe mon garantie dit jannat. Peine aucun organe dans nous l'écho qui fait plus beaucoup péché qui nous la langue. Qui fait plus beaucoup dito qui nous la langue. Peine aucun organe nous la met comme péché qu'on va faire. Coquin, batté, falsifié. Après, nous les pieds qui capable faire. Mosser alvé haram, batté. Après, nous les yeux qui capable faire. Guette l'indécence, guette de la case du monde, espionner. Après, nous aurons écoute haram, écoute cause du monde, écoute santé. Après, nous la langue fait à peu près 40 PC. Nous la langue fait à peu près 40 qualités PC. Vite, 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 vite. Un dé là-dedans, cause menti, faire ribat, mettre fausse chose, fausse témoignage, cause menti au Allah, cause menti au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'arrogance dans parole, réprocé, regardant, cause menti, faire moquerie, c'est le continuum, ça organe là est dangereux ça. À cause ça, qui c'est lui qui ne récite contrôle sur la langue, il n'y a pas risque dans rien pour le djannat. Un musulman qui ne réussit contrôle sur la langue. Mais c'est lui qui n'a pas de contrôle sur la langue. Il peut exposer avec l'enfer.
plus grand faillite le jour du Qiyama. Plus grand faillite. Ce n'est pas Iblis. Ce n'est pas Pharaon. Parce qu'ils ont choisi Paul de l'enfer. Ils ont choisi le chemin Paul de l'enfer. Ça veut dire qu'ils refusent Allah. Ils ont choisi s'aimer l'enfer. Plus grand faillite, c'est celui qui prend le contrôle sur la langue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Atadrouna mal mouflis » Est-ce que vous connaissez qui s'en a ? Fin fait faillite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ban sahaba dit « Un zimoun qui ne perdit sur leurs ans. » Il dit « Al mouflis ou min ummati » C'est lui qui ne fait faillite dans mon ummat. « Man ata yawm al qiyama » C'est lui qui peut venir au qiyama. « Bis salatin wa siyamin wa zakat » Il fait tout son namaz, il donne tout son zakat, il garde tout son rosa. Mais seulement « Qad shatama hada » Les fins agressent. Un djimoun passe la bousse. Wa qadhafa hadha. Les filles mettent une fausse chose lointaine. Wa daraba hadha wa akhadha mal hadha. Les filles battent sanala, les filles coquins sanala. Deux PC n'y fait que sur la langue. Tout ce sawab de ce salat, de ce rosa, de ce zakat, il finit. Il rentre dans l'enfer. Et pas de dire, mets-y dans l'enfer. Zet-li dans l'enfer. Ça, c'est ça la langue. Alors, dans ce hadith-là, il peut montrer nous. L'importance contrôle la langue. Ce hadith peut montrer nous l'importance contrôle la langue, mais aussi valeur et bénéfice contrôle nous la langue. Et une des bonnes choses qui nous besoin, c'est pas discuter. Quand nous pas discuter, nous pas pour faire ribat. Parce qu'une discussion peut déclencher. Combien de PC qui nous fait quand on commence à discuter? Monsieur, madame peut discuter. Blier un peu d'in. Un monsieur peut discuter avec son madame. Combien de PC pour dérouler là-dedans? Imouren, zouré. Deuxième, cause menti. Tu ne fais ça, menti. Le talat dit, non, toi qui ne fais ça, cause menti. Troisième, manque respect. Manque respect, ça n'a pas manque respect, manque respect. Mais de fausses choses, quand nous pouvons discuter. Nous capables de manquer respect à Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de discuter. Nous capables d'un talak de discuter. Nous capables de causer qui n'a pas. Finalement, Dimoun pense mauvais loin t-il. Mais doutance dans l'esprit Dimoun. Entre monsieur et madame, de discuter, il amène beaucoup les autres problèmes. Nous pouvons discuter dans din. Nous créer l'amitié entre frères et frères. Nous casser relations entre frères et frères. Nous capables de mettre fausses accusations sur nos frères. Nous capables de faire 10 mounes pensent mauvais sur nos frères. Dans nous discuter. Dans tout domaine de travail, nous discuter. Nous capables de faire nos frères perdre du travail. Nous capables de faire patron là, commence et doute sur nos frères, de discuter avec lui. Nous ne pouvons pas faire pas gagner promotion dans discuter dans la cause qui ne s'occupe pas besoin. Tout domaine dans discuter, paye n'a du bien là-dedans. Sauf si un démon, ce domaine, il y a un savant, il peut discuter pour la vérité dans le cadre, c'est une autre affaire. Mais nous pouvons cause, nos bons frères, nos bonnes soeurs, voilà le conseil qui n'est bien kérim, sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous. Alors nous faisons droit, que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous la langue qui. Comment nous dire, comment Rasulullah s'en fait dire, « Man kana yu'minu billahi wal yawmi l'akhir » C'est lui qui croit dans Allah. Il croit dans le jour du jugement dernier. « Fal yakul khayran » Qui lui cause bon, « Ou li yasmut » Ou bien, « Li garde silence » C'est ça, conseil qui Rasulullah s'en fait dire à nous. Alors donc, n'importe qui chose qui nous est là, qui problème qui nous est là, guette bien, réfléchis bien, discutez une dernière place. Quand nous pas capable de faire rien, et là, nous défendons nous dans la limite qui Allah fait permettre nous, mais ça met les derniers dans la liste parce que ça lui fait plus beaucoup du tout qui du bien pour nous-mêmes et pour les autres. Tant que nous discutons, nous divulguons nos personnalités. Tant que nous discutons. Quand on peut discuter, moi, si j'ai envie qu'on dise un djibun, qui était, qui se vrai visage, laissez discuter ou guetli. Ou pour connaître qui était djibun, ou pour connaître pas un djibun sincère. Ou vous connaissez pas un djimoun arrogant, ou vous connaissez si un djimoun cheap, parce qu'il y a un djimoun de discuter, il descend tout niveau. Il prend Izzet son frère. Discussion, l'hôtel, une affaire simple. Lève la main, pas lève la main, il finit de mettre madame là, son madame là-dedans, son petit fille là-dedans, son passé là-dedans, 20 ans de cela là-dedans. Ou observez vous, ou vous trouvez une personnalité, un djimoun de discuter. Mais cassez ou personnalité, God ou protège ou pas discuter. Parce que vous pouvez divulguer vos propres personnalités quand vous discuter. À cause de ça, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man samata naja » C'est lui qui vient garder silence, lui vient faire victoire, il une prothèse lui-même. Alors tout ça là, c'est mon advice qui peut montrer nous ça la langue et discussion.
les très très dangereux. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. Et surtout, c'est à l'époque qu'il nous peut vivre, comme nous disait frère en islam, surtout dans l'île Maurice, nous disons, prône sa fraternité, monsieur Mad, dans chemin droite. Nous tous réunis l'obéissance à Allah. Ce qu'Allah fin dit, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, mais nous différences, nous disons qu'on j'ai Ali, sans qu'il nous crée l'ennemité, sans qu'il nous crée problème dans la vie de nos frères, sans qu'il nous mette sa grain dans les qui est nos frères, sans qu'il nous fait prendre Izzet nos frères, sans qu'il nous fait dito, nos bonnes familles. Alors c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin raconte nous ce hadith. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.